Yasmina Kadra, merci beaucoup d'accepter une interview sur le blog Passion Bouquin. C'est la moindre des choses. Vous êtes ici à Colmar pour votre dernier livre qui s'intitule La dernière nuit du Raïs. Alors, c'est une des prérogatives de l'écrivain de pouvoir se mettre à la place de personnages réels. Et là, vous le faites dans le cadre de La dernière nuit de Kadhafi, avant sa mort, dans un endroit improbable où il est avec, on va dire, le dernier carré. Ben oui, c'est un roman qui me tenait à cœur. Quand j'ai vu le lynchage de Kadhafi, je me suis dit, mon Dieu, mais on a perdu l'occasion de comprendre un tyran. On ne lui a pas laissé le temps de s'expliquer. C'est pour ça que j'ai toujours voulu voir ces gens face à un tribunal, à répondre aux questions que tout le monde doit se poser. Qu'est-ce qui fait que du jour au lendemain, quelqu'un qui est parti de rien est devenu tout? Et que représente le tout pour lui? Est-ce lui-même ou est-ce que ce qu'il croit incarner? Et c'est quoi exactement son ambition? Moi, j'ai voulu l'entendre, j'ai voulu l'écouter. Et comme on m'a confisqué cette possibilité, je l'ai créé en tant qu'écrivain. Et c'est bien de pouvoir aller, de ne pas rester dans l'image, dans le cliché, dans le stéréotype. Parce que chaque erreur a ses motivations et on voudrait juste cerner ses motivations pour ne plus les rendre possibles demain. Quelle est la part de l'imaginaire dans votre livre? C'est-à-dire, y a-t-il le contexte qui est réel? Est-ce que vous êtes documenté pour savoir comment il était dans ses derniers moments, avec qui il était et comment vous êtes mis dans la peau de ce personnage? Ben, ça a été toujours mon travail d'écrivain. Dans la majorité de mes livres, c'est écrit à la première personne du singulier. C'est ma façon d'habiter mon personnage, de lui insuffler une vie, d'interroger ses hantises, ses peines, ses joies, et de le rendre un petit peu vivant. Ça a toujours été ma façon la plus privilégiée quand il s'agit de traiter une thématique ou d'essayer de cerner un personnage. Bon, avec Kadhafi, bien sûr que je n'ai pas inventé grand-chose. Mais ce que je dis, ce sont des choses, des témoignages clés en main, quoi. Ce sont des témoignages qui ne circulent pas beaucoup, qui ne sont pas très connus du large public, parce que je les ai tenus de proches de Kadhafi. Quant à cette nuit, je n'y étais pas, parce que tout simplement, les gens qui y étaient sont soit morts, soit en prison. Et donc, il me fallait absolument imaginer, en partant justement des caractères des personnages, de leur culture, de leur mentalité, une fin, la fin d'un homme, la fin d'un dictateur. Et c'est souvent lorsqu'on est face à son destin que les masques tombent et que l'on est livré dans sa nudité. Alors, on a quand même l'impression que jusqu'au bout, il n'a pas l'air de croire à ce qui lui arrive. Ben, c'est difficile pour quelqu'un qui a été encensé toute sa vie de croire que le peuple qui l'a acclamé pouvait se retourner contre lui. Donc c'est pour ça que dans sa tête, ce n'était pas le peuple qui voulait sa mort, mais c'était juste des intégristes, des mercenaires, des gens, les partisans du chaos. Et c'est vrai qu'une bonne partie, une grande partie du peuple libyen ne voulait pas que cet homme parte. Il était en quelque sorte celui qui pouvait encore rassembler une nation autour d'un idéal, même si cet idéal est vague, il est diffus, il est même peu probable. Mais il a quand même réussi à rassembler des tribus qui étaient nées dans la rancœur et dans la vindicte et qui, pendant des siècles, n'ont nourri pour les autres qu'une sourde aversion. Quelle a été votre réaction à l'époque quand Kadhafi a été accueilli en France, en grande pompe? Ben, j'ai beaucoup souri. Je me disais, bon voilà, quand il y a des intérêts, les valeurs trébuchantes supplantent les valeurs morales. Voilà, c'est quelqu'un qui a été diabolisé, qui a été même considéré comme l'ennemi public. Et puis d'un seul coup, parce qu'il promettait mort et merveille, parce qu'il promettait des centrales nucléaires, de réarmer son armée, d'acheter la technologie de pointe et de déployer des projets titanesques dans le désert. Hop, tout le monde a oublié ce qu'il avait fait
et on lui a pardonné. Et on est allé encore plus loin dans l'indécence et l'obscénité, ce qu'on a déroulé sous ses pieds le tapis rouge, et on lui a même permis de dresser sa tente dans l'Élysée. En France, on a toujours, on donne souvent des leçons. Hein. On a une belle devise, liberté, égalité, fraternité. Comme vous venez de le dire, des fois on a moins de scrupules quand il s'agit d'argent. Quelle est, à votre avis, l'attitude à adopter dans ces cas-là? Est-ce qu'on peut avoir une position de grande démocratie, puis en même temps faire avec le monde qui nous entoure? Non, ça dépend. Le monde aujourd'hui est indissociable. Il y a des intérêts partout et personne ne peut s'isoler. Sinon, il serait complètement disqualifié. Donc, il faut juste cesser de croire incarner des valeurs qui, à un certain moment, paraissent dérisoires devant certains appétits. Donc, il faut rester dans l'humilité. Et il faut, si on veut traiter avec tout le monde, il faut aussi accepter de ne pas passer pour le bon samaritain, de ne pas passer pour le saint, pour ne pas passer pour le militant des droits de l'homme. Voilà, c'est tout. Il faut un minimum de sobriété dans ce qu'on fait. Et quand on essaie d'être en même temps un donneur de leçons et un prédateur, on perd beaucoup de sa crédibilité.